Vous rêviez d'une rencontre du troisième type? Elle pourrait bien avoir lieu grâce à Fabrice Lucchini, qui s'est attiré la sympathie d'un candidat célèbre de l'émission de télé-réalité des Marseillais. Fabrice Lucchini est l'un des plus grands acteurs de sa génération. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a été à 11 reprises nommé au César. À 67 ans, l'acteur poursuit sa route dans le 7e art et sera prochainement à l'affiche de Le meilleur reste à venir. Véritable puits de science et adepte de pétage de plomb loufoque, difficile d'imaginer son personnage folklorique adorer les programmes de télé-réalité qui fleurissent sur le petit écran. Et pourtant, Fabrice Lucchini bientôt sur le tournage des Marseillais, invité lundi 23 septembre dans Quotidien pour promouvoir le film Alice et le maire. En salle le 2 octobre prochain, Fabrice Lucchini a avoué qu'il aimait bien regarder les émissions de télé-réalité, notamment Tulse Marseillais. Il affirme que s'il y consacre un sketch de 10 minutes dans son spectacle, ce n'est pas pour se moquer des candidats, bien au contraire. Il fait même part de son envie de se rendre gratuitement sur le tournage. Une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Dans la foulée, W9 a publié sur Twitter un message vidéo enregistré par le candidat phare des Marseillais, Julien Tanti. Et ce dernier a pris les dires de Fabrice Lucchini très au sérieux, fraté, merci. Pour tout ce que tu dis sur nous les Marseillais, vraiment ça nous fait plaisir. N'hésite pas à passer nous voir à Marseille fraté, n'hésite pas à passer nous voir en tournage. S'il faut je te donne même un billet d'avion, cousu main, bisous fraté, je t'embrasse. La balaya stands la camp de Fabrice Desarmes. Bonjour at Lucchini officiel, at Julien Miami de Marseille et un message pour vous.